Merci de votre fidélité et bienvenue sur Diversity TV dans votre émission Vie associative qui reçoit pour vous aujourd'hui M. Diallo Mamadou Yaya. Il est le vice-président de la Fondation Obama pour la bonne gouvernance en Guinée. Bienvenue M. Diallo. Merci à vous et bonsoir à tous les téléspectateurs de DTV. Alors très rapidement, Fondation Obama pour la bonne gouvernance en Afrique, dites-nous un peu c'est quoi cette fondation? Bon, à l'origine de cette fondation, c'est une idée captivante de la part de certains membres du club de la bibliothèque américaine à l'époque, qui se sont concertés après plusieurs activités réalisées au sein du club de la BTM. On s'est dit, si on s'est constitué un groupe panafricain, on pouvait bien saisir l'importance de la coopération guinéo-américaine. C'est des idées qui ne sont pas perçues partout et par tout le monde. Et ça pouvait jeter un éclairage incommensurable sur certaines valeurs de la coopération guinéo-américaine. Donc c'est dans ce processus qu'on a eu à collaborer avec une autre institution de la place qui était une université. Et à l'époque, on vivait ici une transition très, très incertaine. Et après plusieurs concours de plusieurs jeunes panafricaines, on s'est retrouvé à Bamako et la fondation a été lancée le 5 décembre 2009 à Bamako. Bon, c'est une fondation apolitique, à but non lucratif, à la poursuite d'objectifs dont les membres ne tirent pas forcément un objectif matériel direct. Mais bon, nous exprimons plutôt les valeurs que nous voulons promouvoir en sein de l'Afrique, parce qu'on a, appris que la raison d'être de la liberté est de libérer autrui. Donc, c'est une fondation qui œuvre pour la bonne gouvernance en Afrique. Voilà, une fondation qui œuvre pour la bonne gouvernance en Afrique et qui est née en 2009. Mais à entendre le nom Fondation Obama pour la bonne gouvernance en Afrique, on aurait dit, vous pensez que cette fondation porte le nom du président américain actuel, bien sûr. Et est-ce que, du coup, on pourrait se dire que l'initiative, forcément, viendrait des États-Unis ou de l'administration Obama? Est-ce que c'est forcément le cas où l'initiative est venue d'où précisément? De la Guinée, d'un autre pays de la sous-région, d'où précisément? Bon, nous avons l'honneur de dire que cette initiative provient des jeunes Guinéens. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui a commencé plusieurs années avant. Tout a commencé à l'ambassade des États-Unis en Guinée, où on a créé en 2008, un club aussi au sein du Centre culturel américain qui, après avoir réalisé plusieurs activités, on s'est dit qu'on peut aller au-delà. Pourquoi ne pas, vu les problèmes de l'Afrique à l'époque, confronté à plusieurs cas de transition incertaine, où la corruption aussi battait son plein. Et on a vu aussi un homme qui avait accéléré à l'époque l'histoire et qui s'est affirmé et qui a réalisé un rêve qui a été prononcé à l'époque par ses ancêtres, dont Martin Luther King. On a vu un homme qui représentait un bon modèle de ce que peut incarner la jeunesse africaine. On s'est dit, aujourd'hui, Obama représente un bel exemple. Pourquoi ne pas se référer aux œuvres d'Obama pour lui rendre hommage? C'est-à-dire, la fondation porte le nom d'Obama juste à titre honorifique. Opportunité qu'on a saisie de son discours de l'époque prononcé au Ghana, où il a lancé un appel à la jeunesse africaine, où il a dit à la jeunesse africaine, vous, jeunes africains, l'Afrique sera ce que vous voudrez. Vous pouvez lutter contre la corruption, vous pouvez bannir cette injustice et l'impunité qui règne en Afrique. Et donc, il avait adressé un grand message à la jeunesse africaine. Nous, on s'est dit que c'était un signe et il fallait saisir cette opportunité. C'est d'où est partie l'idée de la fondation. Et après plusieurs concertations, on a vu à Bamako, il y avait déjà des jeunes qui aussi mûrissaient une idée pareille. Et il fallait trouver un pays modèle de bonne gouvernance pour lancer cette fondation. Et la Guinée, à l'époque, ne répondait pas au cadre. Et après plusieurs concertations des autorités à l'époque de l'ambassade, on s'est dit pourquoi ne pas choisir un pays modèle de bonne gouvernance comme le Ghana, comme le Mali, etc. Et vu l'histoire très riche entre le Mali et la proximité entre le Mali et la Guinée, nous avons préféré donner le rendez-vous à Bamako.
où on a procédé au lancement avec plusieurs autres grands panafricains. Donc, disons que l'initiative a été officiellement lancée à Bamako. Dites-nous, avant de parler tout à l'heure de l'étendue de votre structure, quels sont vos principaux objectifs? Bon, comme je l'ai dit, l'objectif général de la Fondation Obama, mm-hmm. c'est la promotion de la bonne gouvernance mm-hmm. partout dans le continent africain. C'est la culture de la redevabilité, c'est la promotion des principes de la bonne gouvernance, c'est la culture de la transparence. L'un des objectifs aussi, mm-hmm. C'est aussi promouvoir une Afrique sans frontières, une Afrique mm-hmm. qui pourra, comment dirais-je, œuvrer pour maintenir une Afrique intégrée. Très bien, mm-hmm. et qui pourra faire rêver la jeunesse. À l'époque, on voyait beaucoup de jeunes par désespoir emprunter embarcations, l'océan. Voilà, des embarcations, comment dirais-je, de fortune. Hein, de fortune. Et on a vu aussi comment les jeunes africains étaient fusillés à un moment donné à la rentrée de la frontière de Melilla à l'Espagne. On s'est dit, on peut mobiliser les jeunes africains autour d'un projet noble, innovateur, qui peut donner la fierté aux Africains d'être Africains. On a beaucoup de potentialités ici. Mm-hmm. On manque peut-être de savoir-faire, voilà, du dynamisme, de savoir-faire mm-hmm. et, comment dirais-je, de la logistique. On s'est dit, on peut, à travers un projet commun, mm-hmm. doter à l'Afrique son propre satellite. Mm-hmm. Mais la finalité du rêve de cette fondation, c'est de mettre en place un centre qu'on a dénommé le Centre des mérites de la bonne gouvernance. Mmh. Un centre d'excellence qui va être un grand édifice qui sera bâti dans un pays modèle de bonne gouvernance mmh. et où on constituera un quorum de chefs d'État avertis mmh. qui viendront dans ce centre. Vous savez, ce centre sera un lieu des ressources à la bonne gouvernance, où les présidents en exercice viendront se ressourcer. Une manière de pratiquer peut-être l'autre slogan de Barack qui dit que l'Afrique a besoin d'institutions fortes et non d'hommes forts. Exactement. On s'est dit donc la finalité de cette fondation sera cet édifice qu'on va dénommer le Centre de mérite à la bonne gouvernance, mm-hmm. qui va constituer un centre d'apprentissage des principes de la bonne gouvernance, mm-hmm. un centre de veille, pour la promotion, de l'état de droit mm-hmm. dans plusieurs États, mm-hmm. où les jeunes leaders africains viendront se former, où on fera appel à tous ceux qui ont fait preuve de bonne gouvernance dans la gestion de l'État, comme mm-hmm. certains présidents, comme Alpha Marconaré, mm-hmm. qui a fait preuve de bonne gouvernance, pour mm-hmm. venir dire au président en exercice comment il a fait pour réussir. On peut même aller au-delà du continent africain, faire appel à certains pour venir faire partager leurs expériences. À l'époque, on a eu à avoir le contact de certains mm-hmm. grands présidents qui ont marqué leur temps, comme les Jerry Rawlings, mm-hmm. qui nous avaient promis qu'ils seraient disponibles pour ce centre, pour venir donner leur modèle. Et on peut même faire appel à certains qui ont échoué, mm-hmm. et comme dans la gestion, pas de cité. Voilà, mm-hmm. pour venir dire comment ils ont échoué, comment ceux qui sont en exercice peuvent faire mm-hmm. pour ne pas récidiver. Tirer des leçons. Exactement. Ben, disons un peu que vous entamez sur vos méthodologies et vos stratégies, peut-être pour matérialiser votre vision. Mais parlons à présent, puisque la fondation concerne l'Afrique, hein, parce que ça s'appelle Fondation Obama pour la bonne gouvernance en Afrique. Donc, quelle est la configuration de cette fondation en ce qui concerne votre implantation sur le continent? Est-ce que vous êtes représenté que dans la sous-région ou est-ce que vous avez des représentations partout sur le continent africain? C'est une bonne question. Et je vais vous dire d'abord, dans les objectifs d'implantation de la fondation, mm-hmm. nous l'avons prévu par antenne, mm-hmm. par antenne sous-régionale. Mm-hmm. On a déjà quelques représentants dans certains pays comme le Mali, comme le Ghana, comme le Kenya à l'époque. Mm-hmm. Et on avait dit que l'implantation allait être un processus continu pour nous permettre d'avoir une base dans chaque sous-région, mm-hmm. en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique australe, en Afrique du Nord, etc., mm-hmm. pourvu que
les valeurs de la fondation soient perçues et l'efficacité de la fondation sur le terrain soit partagée dans tout le continent africain. C'est pourquoi dans l'organigramme on a prévu un conseil, d'abord l'organe de création qui est composé des membres fondateurs, et il y a aussi un organe administratif, il y a également un organe de conseil, de la bonne gouvernance, constitué des grands cadres qui ont fait preuve de bonne gouvernance dans leur gestion, que ce soit. Un conseil qui est structuré, ou si tu veux, composé de des membres fondateurs. Exactement, des membres fondateurs et des membres aussi, des membres ressources qui pourront apporter à la fondation de l'expertise. Donc, si je comprends. Pour le moment, la fondation est implantée que dans certains pays de la sous-région, n'est-ce pas? Occidental, Mali. Voilà, le Mali. Pas forcément. Voilà, le Mali, au Ghana, et nous sommes aussi au Kenya. Donc, on manque de grands moyens, sinon on aurait fini de procéder à l'implantation. Parce qu'on s'est dit, l'Afrique a des problèmes communs. Quand on prend le domaine des mines, par exemple, l'Afrique... Si on faisait le partage, si on faisait le partage de l'information, l'échange d'expérience et d'expertise, on pouvait créer une synergie entre les pays détenteurs des mines afin de les permettre d'échanger, des cadres dans ce domaine afin de pouvoir lutter contre la corruption, afin de pouvoir faire bénéficier aux pays détenteurs des mines l'importance de ces mines. La bonne gestion. Exactement, afin de promouvoir même, s'il faut, la transformation des mines sur place. C'est comme dans le domaine de l'agriculture. Donc le conseil, dans le cadre de l'expertise, dans le cadre des membres ressources, sera constitué de grandes cellules sectorielles comme le domaine des mines, comme le domaine du commerce, le domaine de l'agriculture, etc. Exactement. Alors, pour aller un peu rapidement, si nous parlons des activités que vous avez réalisées depuis 2009, au vu des objectifs que vous vous êtes assignés, parlons d'abord très rapidement du conseil continental, si je puis le dire ainsi, malgré que vous n'êtes pas encore sur un peu partout. En plus, maintenant, de l'antenne qui se trouve en Guinée, les activités réalisées. On a réalisé beaucoup d'activités. Les principales, alors? Voilà, les principales. Bon, je vais juste prendre quelques principales activités. Dans le cadre, par exemple, de la promotion de l'esprit du Népal, vous savez, en 2000, pour marquer le nouveau millénaire, les Nations Unies avaient convoqué une assemblée spéciale à laquelle a pris part certains grands présidents, la plupart des chefs de gouvernement, des chefs d'État, et il était question de réduire de moitié la proportion des populations pauvres vivant dans le monde d'ici 2015. On s'est dit que dans le Népal, bien que c'est un projet aujourd'hui qui est vers l'échec, et comme la plupart d'ailleurs des projets qu'on crée dans le continent, qui deviennent souvent lettres mortes, on s'est dit la fondation peut saisir de certains objectifs du Népal pour les restaurer en quelque sorte. Exactement, comme l'orientation de l'aide que l'Afrique bénéficie aujourd'hui, qui est en majorité orientée pour soutenir des chefs d'État très corrompus. On s'est dit il faut réorienter l'aide dans les zones qui sont plus dans le besoin. On a fait la promotion de ces principes. On a aussi travaillé dans le cadre de la conscientisation de la jeunesse quand il y a eu la transition en Guinée. On a fait le tour de plusieurs universités de la place pour inculquer à la jeunesse l'objectif et la finalité de la transition. Des ateliers de sensibilisation. Exactement, des formations, des conférences scientifiques qu'on a même réalisées au sein de l'ambassade avec le concours de l'ambassade des États-Unis qui, à l'époque, avait invité plusieurs experts comme Douglas Yates, comme Mac Mahon, qui ont inculquer à la jeunesse africaine plusieurs modèles de démocratie et de lutte pour l'avènement de la démocratie dans un pays en transition. On a aussi participé à plusieurs ateliers. Vous n'êtes pas sans savoir que personnellement, moi, j'ai été officiellement invité par le gouvernement d'État américain. Nous en parlerons tout à l'heure aux États-Unis. Voilà, aux États-Unis, pour participer à un projet sous-régional.
Donc, c'est dire que nous continuons dans ce sens et nous travaillons en synergie avec d'autres entités qui évoluent dans le même domaine. J'allais justement toucher la partie, quels sont les partenaires, si vous voulez, les autres structures avec lesquelles la Fondation Obama pour la bonne gouvernance travaille pour la mise en pratique de vos objectifs. Pour le moment, notre principal partenaire est encore l'ambassade des États-Unis. Il y a aussi des ONG locales, il y a plusieurs ONG ici et des consortiums de jeunes avec lesquels nous travaillons. Mais également, nous sommes actuellement en contact avec plusieurs organisations internationales telles que Millennium Challenge Corporation. Nous tendons la main récemment, nous avons tendu la main à l'USAID et nous comptons également élargir parce qu'on a eu la chance d'être en contact avec des institutions qui sont présentes en Guinée comme NDI, comme IFES. Personnellement, moi, j'ai été reçu par ces institutions aux États-Unis, avec lesquelles je suis en train de travailler pour une étroite collaboration. Et également, on n'occupe pas la collaboration avec le gouvernement guinéen. Mais quand même, hein? Et comment ça se porte justement, cette collaboration? Bon, elle se porte très bien. Actuellement, nous sommes au centre du débat. Nous travaillons étroitement avec la société civile guinéenne pour impulser le changement prôné par le président de la République. Nous représentons une institution d'éveil. Nous proposons, nous dénonçons et nous cultivons l'esprit de la bonne gouvernance à travers le pays, avec plusieurs projets que nous sommes en train de lancer. Voilà, nous avons encore pratiquement 7 minutes. On va parler de votre voyage aux États-Unis en tant que vice-président de la Fondation Barack Obama pour la bonne gouvernance en Guinée. Dites-nous, c'était dans quel cadre ce voyage aux États-Unis? Est-ce que c'était dans le cadre d'un programme qui se trouve au niveau de l'ambassade des États-Unis ou est-ce que c'était au nom de la Fondation Barack? Bon, l'ambassade des États-Unis, à l'instar de beaucoup d'autres ambassades, de missions diplomatiques américaines dans les pays du monde, choisissent, observent d'abord les jeunes qui sont très dynamiques sur le terrain. Des jeunes modèles, des jeunes leaders, pour les permettre de bénéficier d'une bourse qu'ils appellent IVLP, International Visitor for Leadership Program. Donc, l'ambassade m'a sélectionné dans ce cadre, comme d'autres d'ailleurs Guinéens qui ont eu la chance de participer à ce programme, à travers mon implication sur le terrain, à travers ma présence dans tous les domaines et à travers les interventions également que je faisais. Donc, c'est une récompense d'un parcours. Une sorte d'encouragement. Voilà, exactement, une sorte de reconnaissance d'un combat que vous menez en tant que jeune leader. Donc c'est dans ce sens que j'ai été sélectionné et j'ai reçu une invitation officielle de la part du gouvernement américain. On a eu à être sélectionné, nous étions 15 en tout. Jeunes africains. Voilà, 15 jeunes leaders. D'autres, c'était des députés dans leur pays, d'autres, ils étaient maires. Bon, plusieurs catégories de jeunes leaders. On était conviés pour un programme aux États-Unis qui est la démocratie de base. C'était le thème qu'on a traité là-bas aux États-Unis, et qu'on a suivi, j'allais dire. Un programme très riche qui nous a permis de comprendre d'abord le système de gouvernance à tous les niveaux des États-Unis pour nous donner une perception de la bonne gouvernance, parce que il n'y a pas un livre qui peut décrire une démocratie parfaite et il n'y a pas un État qui est en parfaite démocratie. On a vu que la démocratie est un combat continu qui est en perpétuelle construction. Donc c'était une façon de nous permettre aussi de comprendre le système de fonctionnement du gouvernement américain qu'on a vu et qui est composé de 3 niveaux. Le niveau du gouvernement fédéral, on a vu comment fonctionnent les États fédérés, on a vu comment fonctionne le niveau local. Et le programme s'est déroulé dans plusieurs États comme Washington,
où on a eu à rencontrer plusieurs grandes institutions, où on a été reçu au Capitole, on a échangé avec des sénateurs sur le fonctionnement de leur assemblée. Vous savez, le Sénat, c'est comme l'Assemblée nationale ici. On a eu à travailler avec des grandes institutions, voilà, exactement, comme l'USAID, comme Common Cause, comme Millennium Challenge Corporation, qui sont des grandes institutions. Et on a vu aux États-Unis un modèle, c'est-à-dire, c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre en Guinée, où il y a le communautarisme, l'ethnocentrisme. Qui prévalait avant. Hein? Voilà, voilà, exactement. Et on a vu la différence entre nous et les États, c'est que là-bas, l'unité de base dans l'ordre social, c'est l'individu. C'est l'individu qui est valorisé, c'est l'individu qui est considéré et pour plusieurs raisons. Pour des raisons spirituelles, on a vu que l'individu est spécial dans sa conception. Là-bas, l'accent n'est pas mis sur la communauté, ni sur le groupe ou la famille, ou une tribu. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé pendant le voyage, que j'ai remarqué durant d'ailleurs tout le voyage. De Washington, on a été à Philadelphie, où on a eu aussi à participer au Mémorial Day, qui est une fête nationale, où on a vu des choses très historiques. On a eu aussi à être invité au Centre national de la Constitution. On a vu aux États-Unis comment ils font la promotion de la Constitution de façon culturelle. Et vous savez, si la Constitution est perçue par le peuple, ça éviterait sa violation. Donc, si la Constitution est comprise. Hein? Très bien. Voilà. On a vu comment la Constitution est vulgarisée de façon culturelle, comment ils ont fait en sorte que chaque Américain connaisse sa Constitution et le fait de connaître sa Constitution évite, comment dirais-je, sa violation, et évite la corruption. Et là-bas, on a vu aussi la culture de la rélevabilité, l'obligation de rendre compte. D'accord. C'est un projet que nous développions ici au sein de la Fondation. Et quand on a vu comment c'est pratiqué aux États-Unis, franchement, ça nous a beaucoup inspiré. Parce que généralement, en Afrique, on ne parle jamais d'excédent budgétaire. On nous parle souvent d'insuffisance budgétaire. Donc, on a vu là-bas comment les élus locaux, à la base, ont le courage de faire face au peuple pour dire « Voici ce que vous m'avez confié, voici comment j'ai travaillé, voici comment j'ai alloué les fonds qui m'ont été donnés pour l'accomplissement d'un tel projet. » Et on a vu, il y a aussi d'autres institutions qui récompensent ceux qui se distinguent par leur gestion. C'est leur un programme. Gestion transparente. Alors, je pense qu'on aura quand même l'occasion pour aller un peu plus en détail sur ce voyage sur les États-Unis qui a été certainement très édifiant. Mais un tout dernier mot au cours de cette émission en tant que vice-président de la Fondation Obama pour la bonne gouvernance en Guinée. D'abord, mon mot de la fin va s'adresser à la jeunesse guinéenne. Vous savez, d'ailleurs, j'ai une jeunesse guinéenne à laquelle je dédie ce que je viens de gagner. Et ce que je leur dirais, la jeunesse guinéenne aujourd'hui doit comprendre qu'elle a été à l'avant-garde de tous les combats de ces dernières années. La jeunesse guinéenne devrait éviter que les acquis qui ont été obtenus par le prix du sang, par le prix, comment dirais-je, d'emprisonnement de plusieurs d'entre nous, soit une récupération politicienne. On devrait éviter l'opportunisme, on devrait éviter l'instrumentalisation et la manipulation. On doit comprendre que nous sommes la crème de cette nation. La démocratie aujourd'hui ne réussira en Guinée que si la jeunesse sort de cette, manipulation. Aujourd'hui, nous devrions nous distinguer par la proposition de projets concrets auprès du gouvernement, auprès des politiciens, afin de faire un arbitrage pour éviter d'infliger une défaite ou, une humiliation à tel ou tel autre groupe. Donc, c'est cet appel que je vais lancer également au gouvernement d'avoir de la hauteur ainsi que nos politiques actuelles pour résoudre ces petits problèmes de la Guinée. Aujourd'hui, le peuple est pris en otage à cause d'un petit problème entre les politiques d'intérêt égoïste. Donc, on doit avoir la hauteur pour dépasser ces choses. Parce que avant qu'il n'y ait ces partis politiques, avant qu'il n'y ait le RPG en cancel, avant qu'il n'y ait l'UFDG ou l'UFC ou autre, il y avait la Guinée, il y avait des Guinéens. Et c'est ce qui va rester. D'accord, voilà. C'est sur ces derniers mots de notre invité, M. Diallo Mamadou Yaya, je rappelle, vice-président de la Fondation Obama pour la bonne gouvernance
en Guinée. Si vous aussi, vous avez une structure qui participe au développement de la Guinée, vous pouvez participer à cette émission. L'essentiel, c'est d'appeler les numéros qui défilent au bas de votre écran. Lamara Nasso, Mamadou Alpha, Sidi B était à la technique pour cette émission. Ici, Mamadou Regalo, merci pour votre aimable attention. À la semaine prochaine, si Dieu le veut bien. Prenez soin de vous. Au revoir.